Ce matin, donc, nous allons parler ensemble Norvège et archipel du Svalbard. Juste avant donc, de présenter la Norvège, alors c'est vrai que la plupart d'entre vous, on se connaît déjà depuis de nombreuses années, mais quelques-uns d'entre vous qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, nous ne nous connaissons pas. Donc juste pour faire un petit rappel, c'est vrai que ça fait un peu plus de 20 ans que je suis chez Plinka, tout comme Cédric d'ailleurs. Et j'ai navigué pendant 10 ans sur l'Adriana comme responsable excursion et comme directrice de croisière ensuite. Donc, c'est vrai que la destination Norvège a fait partie intégrante de mes étés pendant 10 ans. Et c'est vrai que chaque année, j'avais très, très grand plaisir à y retourner puisque, comme vous allez le voir à travers les images que je vais vous passer ce matin, je dirais, quelles que soient les conditions, quelle que soit la météo, les paysages de Norvège sont à découvrir et de façon très différente. On a toujours une impression d'autres paysages selon les conditions météorologiques. Je voulais vous préciser aussi ce matin, donc faisant partie de toute notre équipe de Plein Cap et surtout de nos conférenciers fidèles, donc je vous parlais de Cédric, du commandant Homé, Oksana Garin, et bien tous ces conférenciers fidèles à Plein Cap sont présents et fidèles depuis eux aussi de nombreuses années, la plupart d'entre eux 15, 20 ans, voire plus pour Oksana par exemple. Donc ce sont des conférenciers qui sont très attachés à l'équipe Plein Cap, à nos itinéraires et qui ont une parfaite connaissance de toutes ces destinations. Sur ces croisières nordiques en particulier, vous retrouvez Cédric, comme à l'accoutumée, Oksana Garin également, Christian Furia, que la plupart d'entre vous connaissent. Et vous avez l'avantage et le plaisir, le privilège, je dirais, de pouvoir être avec eux et partager leurs connaissances, non seulement à bord, mais aussi en excursion, puisque ce sont la plupart du temps nos conférenciers qui guident en Norvège, complétés par des guides norvégiens puisqu'ils ne peuvent pas être dans tous les bus bien entendu, mais c'est vrai que c'est un moment tout particulier et qui permet d'étendre la découverte culturelle lorsque vous êtes avec nos conférenciers. Alors, ce premier visuel, c'était pour vous rappeler un petit peu, bon, ceux qui nous connaissent le savent bien entendu, mais pour ceux qui n'ont jamais expérimenté le Nord avec Plein Cap, pour vous rappeler aussi pourquoi choisir Plein Cap pour les destinations nordiques, puisque c'est vrai que tellement de bateaux de croisière croisent en Norvège, ou se disent en tout cas croisés en Norvège et dans les fjords. C'est vrai que Plein Cap est spécialiste de ces contrées nordiques depuis plus de 30 ans. Ça a été à l'origine le Dalmatia, Madame Makoko vous en parlait après, ça a été l'Adriana pendant de nombreuses années, ensuite le Vistamar, le Berlin et à présent le Hambourg. La caractéristique de nos itinéraires, donc concoctés par le commandant Radovan dans ces fjords, c'est qu'à tout moment, au fil de toutes ces années et encore jusqu'à maintenant, quel que soit le bateau, Plein Cap a choisi de naviguer exclusivement dans les fjords. Donc à partir de Bergen jusqu'au Cap Nord, le bateau va être dans les fjords, cela donc grâce au commandant, mais aussi grâce aux pilotes norvégiens qui sont obligatoires pour pouvoir croiser dans les fjords. Alors c'est vrai que beaucoup de croisiéristes proposant les fjords ne le disent pas, mais ils naviguent en pleine mer. Donc évidemment, la croisière n'a absolument rien à voir, puisque lorsqu'on navigue uniquement dans les fjords, vous avez des paysages 24 heures sur 24, je ne dirais pas jour et nuit, puisqu'il n'y a pas de nuit, c'est la période du soleil de minuit, mais des paysages à découvrir 24 heures sur 24. Et aussi, tout en naviguant dans les fjords, c'est aussi, vous le savez pour la plupart d'entre vous, un gage d'avoir une mer calme, puisque le fjord est calme, alors qu'on le sait, hein, dans cette mer du Nord, ensuite en Antarctique, ce sont des mers qui peuvent être plus agitées, donc les gros bateaux de croisière restent en pleine mer, alors que le Hambourg peut naviguer à l'intérieur des fjords. Le Hambourg, donc, tout comme les bateaux que nous avons frétés précédemment, reste un bateau de charme, un bateau à taille humaine, comme on le dit toujours. Il fait partie des plus petites unités que l'on trouve actuellement sur le marché, puisqu'à son bord, il accueille donc 380 passagers maximum, donc pour une croisière vraiment en toute convivialité. Comme on le dit souvent, c'est vrai que la Norvège n'est pas loin. En 2 heures de vol, vous êtes sur place. Donc, c'est vrai que ça permet un dépaysement total à quelques heures, finalement, de Paris. On va en parler aussi dans quelques minutes sur nos itinéraires, donc des itinéraires vraiment étudiés et faisant la part belle à tous ces hauts lieux norvégiens. Nous croisons donc dans les fjords, nous approchons également des glaciers.
Une des caractéristiques aussi de notre itinéraire sur les fjords, puisque je vais vous parler de l'itinéraire des fjords et ensuite l'itinéraire du Svalbard et des fjords. Sur les fjords, nous restons la journée entière vers l'archipel des îles Lofoten, ce qui est un grand plus. Beaucoup de bateaux restent une demi-journée. Également, donc, nous faisons escale à Honisvåg, donc au Cap Nord, en soirée, donc ce qui permet d'aller voir le soleil de minuit, en tout cas, on l'espère. Là aussi, des bateaux font escale en journée, donc ce qui donne un ressenti, une impression vraiment différente. Et comme on en parlait, donc une croisière culturelle ponctuée donc de conférences avec nos conférenciers, nos quatre conférenciers donc sur ces croisières du Nord. Une conférencière supplémentaire donc, qui est spécialisée sur le monde de l'Arctique. Qui vient également vous présenter un petit peu ce monde assez particulier du Svalbard, des présentations d'escales comme sur toutes nos croisières et aussi de très belles navigations touristiques commentées et proposées donc, par tous nos intervenants, donc, comme je le disais, experts de la destination. En plus du côté culturel donc, sur nos croisières, donc toujours sur le nord, des soirées comme vous en avez l'habitude sur toutes nos croisières, maritimes ou fluviales, des soirées animées par notre équipe artistique, donc des artistes qui embarquent pour chaque croisière, artistes de variété, concerts classiques, concerts lyriques. Donc chaque soirée est animée par un spectacle et enfin, donc, comme toujours, des carnets de voyage très complets, descriptifs des spectacles personnalisés donc, selon votre itinéraire. Tout cela font les plus de nos croisières et de nos croisières nordiques en particulier. Madame Makoko, vous le disiez voilà quelques minutes, donc le Hambourg a fait peau neuve au printemps 2020. Donc pour ceux qui le connaissaient déjà, on va parler de ces quelques changements qui ont eu lieu et qui sont notables à bord du Hambourg pour encore plus de confort hein, pour ce bateau donc, qui est un grand voyageur, le MS Hambourg, puisque depuis quelques années, Plein Cap affrète le Hambourg sur le nord, et nous proposons aussi d'autres destinations avec le Hambourg. Puisque, alors, pourquoi le Hambourg ? Ce bateau est un bateau que l'on pourrait qualifier de semi-expédition. C'est un bateau donc, que l'on a choisi pour le nord, donc, puisqu'il prête tout à fait. C'est un bateau qui va croiser aussi chaque année vers le Groenland. Cette année, d'ailleurs, Plein Cap propose la croisière au Groenland à la fin du mois d'août. C'est un bateau que l'on retrouve aussi en Antarctique chaque année au mois de janvier. Donc, c'est un bateau qui est équipé pour ces destinations particulières et c'est un bateau qui est équipé notamment de Zodiac. Donc, ce qui nous permet aussi sur nos croisières vers le Spitzberg de pouvoir utiliser les Zodiac pour certains débarquements. On en reparlera donc ultérieurement. Ce MS Hambourg, donc, c'est un bateau qui a été construit donc, en 1997 en Allemagne, donc à Wismar. Il a été rénové en 2014, puis au printemps donc 2020. C'est un bateau, donc, comme je vous le disais, qui fait partie encore des petites unités. Donc ici, vous avez sa fiche technique, 144 mètres de long pour 21 mètres et demi de large et seulement 5 mètres de tirant d'eau. Donc, ce qui lui permet de faire des escales, bien sûr, là où les gros bateaux ne peuvent pas accoster. Sa vitesse de croisière donc, est de 14 nœuds. Et donc, le Hambourg compte 197 cabines. Et 8 suites, donc quelques cabines également avec balcon. Sur le Hambourg, donc vous retrouvez 170 membres d'équipage, plus notre équipe de croisière Plein Cap, constituée donc de directeurs de croisière, responsables d'excursion, vos accompagnateurs, conférenciers et artistes. Sur le plan donc, qui apparaît ici donc, à droite de l'image, vous apercevez donc, la coupe du bateau, je dirais. Et donc, ce qui est intéressant de noter, comme c'était le cas d'ailleurs pour ceux qui connaissent le Berlin, qui ne connaissent pas le Hambourg, les cabines sont réparties du milieu vers l'avant. Donc, on nous pose souvent la question, est-ce que c'est bruyant, etc. C'est vrai qu'en ayant des cabines du milieu vers l'avant, on évite le problème de cabines bruyantes qui pourraient se trouver vers l'arrière, donc on se trouve les moteurs. C'est un bateau qui est très vaste, qui a donc une salle de restaurant, une salle de spectacle également, de très vastes ponts où vous pourrez profiter de la navigation. Voici quelques photos ici des cabines du Hambourg. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous montrer toutes les catégories de cabines, mais c'est juste un petit rappel du MS Hambourg, puisque sur notre site internet,
Vous trouvez bien sûr tous les détails du Hambourg, les photos, un film également présentant le Hambourg en Norvège, d'ailleurs dans les fjords. Donc, quelques photos des cabines. La photo qui est en haut à gauche avec le grand hublot, ce sont les cabines de catégorie 7. Elles sont situées sur le pont 2. La cabine est très lumineuse. C'est un hublot qui fait à peu près 1,10 m de diamètre. Et c'est vrai que ce sont de très belles cabines en catégorie 7 sur le pont 2. Ensuite, vous avez donc sur la droite de votre écran les nouvelles cabines en fait, qui font partie des derniers travaux qui ont été faits à bord du Hambourg, donc au printemps 2020. Ce sont les cabines en catégorie 9 et 10. Ce sont les cabines avec fenêtres panoramiques. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une très grande fenêtre et qui peut s'ouvrir justement. Donc, c'est vraiment une fenêtre panoramique. En bas de votre écran, donc à gauche, la photo que vous avez, ce sont des cabines en catégorie 8, donc des cabines avec sabord, très lumineuses également. Et en bas à droite, ce sont des suites. Donc, les 8 suites qui sont sur le Hambourg sont comme celle-ci. Donc, vous avez deux pièces. La première qui correspond à un petit coin salon. Vous avez une alcôve et derrière, la partie nuit. Donc, dans toutes les cabines extérieures du Hambourg, vous avez donc soit les lits disposés comme ainsi, c'est-à-dire en lits jumeaux, et la possibilité de les rapprocher. Donc, dans toutes les cabines extérieures, les cabines intérieures, ce sont des lits jumeaux uniquement. Donc, voici un petit rappel, je dirais, des cabines à bord du Hambourg. Nous allons donc continuer à présent notre visite. Des espaces communs, donc des espaces communs très aérés et ouverts sur la mer, vraiment, à bord du Hambourg, ce qui va vous permettre de profiter davantage encore de cette belle navigation dans ces contrées nordiques. Ici, donc, quelques photos vous présentant les derniers travaux du Hambourg sur la partie gauche de votre écran. Pour ceux qui connaissent déjà le Hambourg, vous aviez donc sur le pont 5 ce que l'on appelle le Palm Garden, où se trouve le buffet. Eh bien, tout cet espace a été refait, comme vous pouvez le voir. Également, donc, à cet endroit se trouvait auparavant ce que l'on appelait le bar à vin, la boutique. Cet espace a été entièrement refait et c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas du tout. C'est l'aménagement que vous apercevez en bas à gauche de l'écran. C'est un magnifique salon qui a été créé, ouvert sur la mer, que vous avez en bas à gauche ici dans toutes ces teintes, ces couleurs grises. Donc, c'est un deuxième salon que l'on peut trouver à présent à bord du Hambourg où vous pourrez donc vous détendre et profiter là aussi de paisible navigation. Sur la partie droite de l'écran, j'ai placé quelques photos donc, du restaurant du Hambourg, vous présentant aussi un restaurant très lumineux donc, ici. Donc, ça me donne l'occasion aussi de vous rappeler toutes nos croisières en Méditerranée ou dans le Nord. Donc, les boissons sont incluses à table, le vin, également l'eau minérale, thé, café, en fin de repas. Et toujours sur nos croisières, donc deux repas de gala sont inclus. Quelques photos des ponts extérieurs, puisque je vous en parlais. C'est vrai que c'est un bateau qui a de très, très vastes ponts, vraiment pour profiter de la navigation. Un bel espace extérieur dont la piscine... Je ne suis pas sûre que vous puissiez vous baigner dans le Nord, mais ne sait-on jamais. Hein, le réchauffement climatique fait que des fois, les températures peuvent être très douces. Des ponts extérieurs pour profiter donc des navigations commentées par nos conférenciers, des arrivées également dans les ports qui sont toujours superbes. Et j'ai placé aussi cette photo de l'équipage qui nous tient aussi particulièrement à cœur, puisque c'est vrai, parmi toujours les retours de nos passagers, de nos fidèles passagers que l'on a des croisières à bord du Hambourg, c'est vrai que là aussi, l'équipage est vraiment au petit soin pour nos passagers, très, très attentionné. Donc, on apprécie tout particulièrement aussi bien le personnel hôtelier que restauration, puisqu'on va trouver aussi une restauration de qualité et raffinée à bord du Hambourg. Après ce bref rappel donc, du Hambourg, on va rentrer dans le vif du sujet, donc les fjords de Norvège. Donc, deux itinéraires proposés cette année, donc des fjords de Norvège. Donc, on va partir du sud vers le nord, du 29 mai au 6 juin. Et ensuite, donc, un deuxième itinéraire, comme à l'accoutumée, l'univers du Spitzberg, aux confins du Grand Nord,
qui va nous permettre donc d'embarquer au nord, à Tromsø, d'aller découvrir l'archipel du Svalbard et de redescendre ensuite vers le sud de la Norvège. Et celui-ci aura lieu du 6 au 18 juin. Alors, un petit peu, je dirais, différemment des précédentes visioconférences où, c'est vrai, avec Cédric, on présentait l'itinéraire jour par jour, je vais vous présenter escale par escale, dans un premier temps pour les fjords et ensuite le Svalbard sans redescendre vers le sud, puisque sinon j'aurai deux fois les mêmes escales, donc ça a quand même assez peu d'intérêt. Ici, donc, cette carte pour vous montrer notre périple, notre départ. Donc, le départ s'effectue donc de Paris, rendez-vous à Paris avec votre équipe de croisière plein cap. Et nous prenons l'avion, donc direction l'Allemagne, direction donc Hambourg. Arrivé à Hambourg, donc transfert en autocar vers Kiel, où le MS Hambourg nous attend pour débuter notre croisière. Donc, embarquement à Hambourg, donc à Kiel, dans l'après-midi. Et donc, nous allons commencer notre périple donc du sud au nord de ce très beau pays. Avant d'arriver donc en Norvège, nous allons faire notre première escale en terre danoise. Donc, notre première escale sera à Copenhague. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà donc cette métropole très moderne et cosmopolite hein, qui est la ville de Copenhague. Peut-être l'avez-vous découverte sur une croisière en mer Baltique. Une métropole donc qui compte à peu près 600 000 habitants aujourd'hui, une ville qui est bâtie sur deux îles, sillonnées donc par des canaux. C'est aussi une ville qui est à la pointe de la modernité, où le design, l'architecture contemporaine font vraiment bon ménage avec des monuments un peu plus anciens, dirons-nous. Cette escale donc de demi-journée, lorsque nous arrivons à Copenhague, la première sensation, la première impression que nous avons, c'est un calme assez déroutant qui règne dans cette capitale, dans les rues, peut-être vous êtes fait la remarque. C'est une capitale où le cycliste est roi. Et la priorité d'ailleurs des usagers de la route est au cycliste. C'est à Copenhague en 1905 que les premières pistes cyclables ont d'ailleurs été créées. Donc vous avez peut-être vu d'immenses parkings à vélo au cœur de la capitale. À Copenhague, donc des découvertes, des visites culturelles avec un patrimoine tout à fait intéressant. Donc, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a à découvrir à Copenhague. Et d'ailleurs, ça vous donnera juste envie de redécouvrir Copenhague à travers cette escale de demi-journée. Parmi les monuments phares de Copenhague, on peut citer incontournable, bien sûr, c'est la petite sirène, symbole de la ville de Copenhague. Cette statue donc, qui s'inspire de la protagoniste du célèbre conte de fées d'Hans Christian Andersen. La petite sirène qui nous attend sur le quai de Langelini, donc à quelques pas de là où accoste le Hambourg, et cette petite sirène qui va nous souhaiter la bienvenue. Donc, pour la petite anecdote, cette statue ne mesure qu'un mètre 25. C'est vrai que souvent, on la cherche, on est un petit peu dérouté par sa taille. L'œuvre a été d'ailleurs souvent abîmée, aspergée de peinture, sciée, dynamitée par divers activistes politiques. De temps à autre, elle est même habillée, cette petite sirène. Donc, on verra, jour de notre escale, comment sera cette petite sirène. Vous avez aussi une photo ici très colorée de Niafen. Niafen, ça fait partie des quartiers classiques de Copenhague à découvrir, un classique danois. Donc Niafen, c'était l'un des centres des navires marchands d'antan à Copenhague. Donc c'est ce quartier donc vraiment coloré qui fait partie des étapes incontournables à Copenhague. On a plaisir à déambuler sur le quai de Niafen, ou bien d'observer ce quartier lors d'une balade sur les canaux, ce qui est aussi une façon très originale de découvrir Copenhague. Vous avez également à droite ici de l'écran la place caractéristique de Copenhague, où vous pouvez apercevoir Amalienborg, qui est la résidence de la reine donc à Copenhague. Amalienborg qui se compose de quatre palais de style rococo, donc autour d'une place. Deux de ces bâtiments sont ouverts au public et abrite un musée exposant donc à peu près 400 ans de l'histoire royale avec des peintures et tout autre objet immobilier. Et une autre partie donc fait partie, et un autre bâtiment fait partie de la résidence danoise. Donc voilà un petit peu les caractéristiques de Copenhague et ce que l'on pourra voir au cours de notre escale, au cours des excursions qui seront proposées. Nous allons à présent donc nous diriger vers les terres norvégiennes. Donc un rappel ici
de la Norvège. Bien sûr, ce matin, on ne va pas faire la conférence sur la Norvège historique ni géographique. Hein, tout cela, vous l'aurez à bord par nos conférenciers. Juste quelques rappels. Donc, la Norvège est un pays donc, qui s'étend sur 385 000 km², incluant le Svalbard. Si on ne parle que de la Norvège continentale, il s'agit donc de 323 757 km². C'est-à-dire à peu près les deux tiers de la France, pour vous donner donc un rapport. Un pays qui est très étendu, du nord au sud, la Norvège s'étend sur 2 200 km², donc c'est une longue bande étroite, ce qui m'amène aussi à vous dire qu'elle s'y prête particulièrement bien à découvrir en croisière, puisque si on devait faire en voiture les 2 200 km, ça serait quand même assez long, ou en autocar. La Norvège s'étend entre les 58 degrés et 71 degrés de latitude nord, un territoire recouvert donc à 75% de montagnes, des paysages très diversifiés, donc 1 500 glaciers, un peu plus de 200 000 lacs, et une population donc aujourd'hui qui est d'à peu près 5 400 000 habitants. C'est intéressant de noter, et on le voit d'ailleurs au fil de notre navigation en Norvège, c'est que 80% de la population vit à moins de 10 km de la mer. La capitale, donc, c'est Oslo. Les grandes villes, certaines d'entre elles, nous les verrons au cours de notre itinéraire, et il s'agit de Bergen, Tromsø, Stavanger, la très belle ville historique de Trondheim également. Sur le plan de sa végétation, bien, vous le verrez aussi au fil de ces photos et de nos croisières, la différence entre le sud et le nord, la différence également de végétation entre l'intérieur des côtes, l'intérieur et les côtes. Au sud, on va trouver une végétation constituée beaucoup plus de pins, et plus on va vers le nord, ça va être une végétation constituée de bouleaux, et tout au nord, donc dans la région du Finnmark, sur les grands plateaux et le grand nord, des paysages de toundra et de lichen. Dans la région des fjords, il y a aussi au niveau de la végétation donc quelques vergers, puisqu'il n'est pas rare de voir donc des vergers de pommiers, de cerisiers. Une végétation qui doit s'adapter bien évidemment au climat, le climat qui peut être plus ou moins difficile selon où on se trouve dans le pays, puisqu'au nord, il ne faut pas oublier, au nord de la Norvège continentale, il peut y avoir 5 mois de neige, tandis qu'au sud, à peu près 2 mois. Ce qui m'amène aussi à vous parler du climat norvégien. C'est un climat qui est varié à l'image de la végétation que l'on va trouver, mais qui finalement n'est pas si froid, puisque l'avantage, c'est que toute la côte norvégienne est baignée par ce courant chaud que l'on connaît tous, ce courant chaud venu des Caraïbes, qui est le Gulf Stream, et qui va donc baigner toute la côte norvégienne pour adoucir le climat, puisque normalement, à ces latitudes, les températures devraient être beaucoup plus fraîches. Dans la région, par exemple, du Finnmark, donc tout au nord de la Norvège, la température relevée, donc l'hiver, la plus fraîche, est à moins 40 degrés. Aux îles Lofoten, par exemple, donc plus au sud, on en reparlera, la température descend rarement en dessous des 8 degrés. Donc là, vous voyez très bien l'influence donc, du Gulf Stream. Nous allons aussi, donc, puisque nous parlons du climat, être amenés à parler de ce phénomène qui est le soleil de minuit l'été, donc que l'on espère voir lors de nos croisières. L'équivalent l'hiver, ce sont donc les aurores boréales. L'été, donc pendant 2 mois et demi, le soleil ne va pas se coucher sous l'horizon, donc c'est le jour permanent, 24 heures sur 24, au-delà du cercle polaire. Par contre, l'équivalent donc l'hiver, il y aura 2 mois donc d'obscurité. Nous allons donc parler à présent donc plus concrètement de notre itinéraire et continuer notre navigation. Notre première escale en terre norvégienne va être la ville de Kristiansand, tout au sud de la Norvège. Donc ça va être, je dirais, une belle introduction pour débuter en terre norvégienne. Kristiansand donc est une petite ville située au sud de la Norvège, présentant donc de nombreux atouts sur le plan culturel. Et là, eh bien, je dirais, on est déjà conquis par l'ambiance et le climat norvégien, ces façades très colorées, comme vous pouvez apercevoir ici sur ces différentes vues. La ville de Kristiansand est bordée donc par la mer du Nord. Elle est traversée donc du nord au sud par une rivière qui est Otra.
La ville de Kristiansand compte environ 90 000 habitants. Ce qui est très intéressant, je vous ai placé la carte ici pour repérer où est Kristiansand. C'est aussi l'arrivée à Kristiansand, puisque sur la carte précédente, vous voyez que vous avez vu la côte norvégienne est vraiment très découpée. Donc, les arrivées sont toujours assez spectaculaires, et notamment ici à Kristiansand. Lors de notre escale donc à Kristiansand, vous pourrez bien sûr profiter de cette petite ville déambulée donc sur les quais de Kristiansand. C'est l'occasion aussi de visiter le musée du Vest-Agder. C'est un musée comme on en trouve un bon nombre en Norvège. Ce sont des musées en plein air qui présentent l'habitat, les coutumes, les traditions norvégiennes d'autrefois. Donc, on trouve les maisons caractéristiques avec de la tourbe sur le toit, des maisons en bois, etc. Donc, ça fait partie vraiment des musées que l'on peut trouver dans différentes villes norvégiennes. Et celui-ci donc, représente le Vest-Agder, qui est cette région du sud de la Norvège. À partir donc de Kristiansand, notre navigation ensuite va nous mener vers Bergen. Et juste avant de vous parler de Bergen, je voulais vous dire quelques mots sur les fjords. Les fjords de Norvège, donc, qui sont les éléments les plus caractéristiques que l'on va trouver en Norvège, des véritables routes maritimes que l'on peut comparer à des labyrinthes. Et je vous le disais tout à l'heure, le MS Hambourg va naviguer exclusivement à l'intérieur des fjords. Donc, à tout moment, vous êtes entouré de montagnes ou alors entre la côte et les îles. Alors, le mot fjord est un mot norvégien qui désigne un bras de mer long et étroit qui pénètre à l'intérieur des terres. Un fjord peut atteindre 200 km de longueur, il peut atteindre 1350 mètres de profondeur et avoir de nombreuses ramifications. Selon les fjords, on peut être vraiment très à l'intérieur des terres. Le fjord peut former un réseau vraiment de bras. Certains d'entre vous se souviennent de très belles navigations dans ces fjords, j'imagine. Ce fjord, c'est une formation donc, géologique qui a eu lieu donc, durant la dernière glaciation, puisque les glaciers occupaient à ce moment-là des anciennes vallées fluviales. Le poids des glaciers a creusé plus profondément donc, cet endroit, donnant la forme donc, d'une auge en fait, caractéristique des vallées glaciaires. Il faut également le lit d'une rivière et une chaîne de montagnes, donc trois éléments pour qu'un fjord se forme, hein, la période glaciaire, le lit d'une rivière et une chaîne de montagnes. Donc, voilà comment se sont formés les fjords. Donc, certains sont plus ou moins profonds selon la géographie du pays. Vous avez une photo ici d'ailleurs du MS Hambourg qui s'enfonce vraiment dans ces superbes fjords et majestueux. Ici, de nouveau, une carte pour vous situer. Donc, au fil de la présentation, je vous présenterai comme ça plusieurs cartes. Donc, nous étions donc au sud à Kristiansand. Vous apercevez cette côte très, très découpée qui va nous mener donc vers Bergen. Bergen que l'on surnomme souvent la capitale des fjords, la porte d'entrée des fjords. À partir d'ici, notre navigation va commencer donc vraiment à l'intérieur des fjords. Voici une photo donc de l'arrivée, par exemple, à Bergen. Bergen est la deuxième ville de Norvège, très belle ville hanséatique, ville historique également, grande ville universitaire puisqu'il y a cinq villes universitaires en Norvège, donc Bergen fait partie de ces villes universitaires. C'est une ville qui compte environ 280 000 habitants. Sur le plan historique, c'est un village de pêcheurs a été fondé ici au XIe siècle, en 1070. Bergen est devenue très rapidement un centre de négoce. C'est une ville qui s'est étendue au fil des siècles. Aujourd'hui, elle s'étend environ sur 465 km². Une ville qui est entourée par sept collines, dont le point culminant est le mont Ulriken à 642 mètres d'altitude. Il y a également le mont Floyen à 320 mètres d'altitude. C'est une ville qui a de tous les temps joué un rôle déterminant en Europe grâce à son commerce, à son activité portuaire, puisque c'est à Bergen, entre autres, que les marchands de la Hanse ont établi pendant plusieurs siècles l'un des quatre comptoirs importants de la Ligue hanséatique. Le commerce et la navigation sont restés très longtemps les fers de lance de la vie économique de la ville de Bergen. Ensuite, l'industrie, l'artisanat, le tourisme, la pêche et surtout l'exploitation du pétrole et du gaz ont été des secteurs non négligeables, bien sûr, pour l'économie de cette ville de Bergen. Donc, allons-nous voir à Bergen pour vous présenter un petit peu la ville.
Donc, vous avez une photo, bien sûr, panoramique de la ville, prise d'ailleurs depuis le mont Floyen. On ne peut pas parler de Bergen sans parler de Bryggen. Vous avez une photo à droite de ce très beau quartier de Bryggen, donc à quelques pas du port, avec ses constructions emblématiques, ses constructions en bois avec pignons sur rue, un exemple unique de l'architecture médiévale que l'on va trouver en Norvège. Malheureusement, au cours de l'histoire, Bryggen a souffert de différents événements, notamment d'énormes incendies, et notamment donc en 1702, un énorme incendie a ravagé tout ce quartier de Bryggen. Il a été reconstruit dans le même style que les constructions donc de l'époque de la Hanse, c'est-à-dire du XIVe siècle, à partir du XIVe siècle. Et Bryggen, aujourd'hui, fait partie, donc est classée sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai qu'on a toujours plaisir à découvrir ce quartier hanséatique de Bryggen, même si on le connaît, on y retourne et on aime à se perdre dans ces petites ruelles. Donc, vous avez les façades colorées qui sont à droite de votre écran, mais c'est vrai qu'il faut oser aller dans les perpendiculaires, comme la photo qui est au milieu, qui vous présente vraiment des petites ruelles de Bryggen, où maintenant se sont établis un bon nombre de commerçants, boutiques touristiques, cafés, restaurants et autres. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance tout à fait particulière à Bryggen. On ne peut pas évoquer Bergen sans parler aussi de Torget. Torget, c'est la célèbre place du marché aux poissons. Quelques photos ici des étalages des poissonniers que l'on trouve à Bergen, donc ce marché aux poissons donc, qui a lieu chaque jour à Bergen, où vous trouvez un bon nombre de poissons, de coquillages, du saumon sous toutes ses formes, de la viande de baleine. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion avec plein cap ou différemment d'aller à Bergen, on se souvient tous des petits sandwichs au saumon que l'on peut déguster ou petits sandwichs au poisson sur le marché donc, de Bergen. Également donc à Bergen, ça fait l'objet aussi de l'une de nos excursions, c'est la visite du musée de Gammelbergen. Donc c'est la photo qui est en bas à gauche de votre écran. Là aussi, c'est un musée en plein air retraçant la vie historique dans la région et dans la ville de Bergen. Continuons notre promenade à Bergen et nous allons donc parler à présent de Grieg. On ne peut pas parler de la Norvège sans parler de la musique, donc on ne va pas parler de tous les compositeurs ni personnes d'art que l'on peut trouver en Norvège, mais ce matin, donc quelques mots sur Edvard Grieg que l'on peut également découvrir lors de notre escale à Bergen. Donc, lorsque l'on est à Bergen, on propose aussi de découvrir le quartier que l'on appelle donc Trolldagen, qui est à 8 km environ du centre-ville de Bergen, donc perché sur une petite colline, sur la colline des Trolls, comme le nom l'indique, Trolldagen, à proximité du lac de Nordas. Donc pour ceux qui sont déjà allés ou qui ont vu des photos, c'est un endroit vraiment superbe, très, très paisible. Se trouve donc la maison donc, où a résidé Edvard Grieg pendant de nombreuses années. Donc, c'est une maison qui a été construite en 1885. C'est à cet endroit que le compositeur norvégien a vécu pendant 22 ans. C'est à cet endroit qu'il a composé un bon nombre de ses œuvres. Et sur les photos ici, donc, vous apercevez l'extérieur, le jardin de la maison d'Edvard Grieg. Vous avez donc en bas de l'écran quelques photos de l'intérieur. La maison aujourd'hui est vraiment, l'aménagement est resté, je dirais, en l'état. On a l'impression qu'à tout moment, le compositeur va apparaître. Il y a donc dans diverses salles un piano juste à côté. Donc, ses lunettes de lecture sont posées à côté d'un livre ouvert sur le piano. C'est vraiment un musée qui est très intéressant à visiter. Et également, dans l'enceinte de la propriété, vous avez ce petit cabanon rouge sur la photo qui apparaît, c'est là aussi que Edvard Grieg aimait à composer. Donc, c'est le chalet du compositeur qui se trouve donc dans le jardin. Et dans une petite crique dominant le lac donc de Nordas, sont inhumés Edvard Grieg et sa compagne Nina, qui était cantatrice d'opéra. Donc, l'occasion de parler donc d'Edvard Grieg ici lors de notre escale à Bergen. Nous allons donc poursuivre notre navigation après avoir fait cette escale à Bergen et nous allons rejoindre la ville de Trondheim. Nous continuons notre navigation
vers le nord. Nous sommes toujours au sud ici du cercle polaire. Nous allons arriver à Trondheim. La photo à gauche présente l'arrivée à Trondheim. Donc, très belle arrivée là encore. C'est l'île de Mulkholmen, l'île aux moines, que après l'an 1000, ici, un monastère bénédictin a été construit, probablement d'ailleurs l'un des premiers en Scandinavie. Ce monastère a été transformé en forteresse, ensuite en prison au XVIIe siècle, plus tard en bureau de douane, et aujourd'hui c'est un site touristique avec un restaurant et une plage. La ville de Trondheim, jusqu'au XVIe siècle, s'est appelée Nidaros. Ce fut la première capitale de la Norvège, premier centre religieux et unique centre religieux, je dirais. C'est en 997 que Olaf Tryggvason, qui est devenu ensuite Olaf Ier, fonde la ville en 997. Il choisit donc un site favorable pour installer cette ville dans un méandre de la Nidelva, qui est cette rivière qui coule, donc qui traverse la ville de Trondheim. Il fait construire ici le Nidarnes, qui est son domaine royal, et une première église vouée à Saint-Clément. Ensuite, l'histoire et les multiples épisodes, histoire, donc guerre, etc., se sont succédés aussi. Olaf a trouvé la mort au cours d'une bataille et a été enterré d'ailleurs dans la région. À Trondheim, c'est vrai que les bâtiments historiques sont encore assez présents et nous présentent aussi l'histoire de la ville. Vous avez donc ici la photo en bas à gauche, très colorée, c'est le quartier des entrepôts, Briggen également. Donc ce sont des bâtiments historiques, certains sont construits sur pilotis, donc c'était aussi des centres de négoces. C'est un quartier aussi qui est très intéressant à visiter à Trondheim. Nous parlions tout à l'heure d'Olaf Tryggvason. Et bien sur la photo en haut à droite, vous avez la statue d'Olaf Tryggvason qui trône au centre de la ville de Trondheim, l'une des places principales de la ville de Trondheim. Olaf Tryggvason trône donc sur ce piédestal à une hauteur de 18 mètres environ. Et donc, il est au centre de cette place. Et sur cette place figure une gigantesque horloge solaire. En bas de l'écran, vous apercevez aussi une photo symbolisant le musée du Trøndelag que l'on peut découvrir aussi lors de notre escale à Trondheim. Je vous parlais tout à l'heure donc d'habitations caractéristiques et traditionnelles avec de la tourbe sur le toit. Eh bien, voici un exemple. Trondheim, c'est aussi l'ensemble de Nidaros, donc le Nidaros qui est l'ancien nom de la ville de Trondheim. Ici, donc, vous avez quelques vues de la cathédrale de Nidaros, que l'on voit également lors de notre visite, qui est le sanctuaire national de Norvège, qui a été érigé sur la tombe donc, de Saint Olaf. La construction de cette cathédrale a débuté au XIe siècle, en 1070. Les parties les plus anciennes sont encore existantes et datent donc, de cette partie. La cathédrale, donc la construction de celle-ci, s'est étendue sur de nombreux siècles, puisque vous avez des vestiges, quelques vestiges de l'époque romane, mais surtout une architecture gothique que l'on va retrouver dans cet ensemble architectural. C'est une cathédrale qui a été achevée en 1300 environ. Elle a été dévastée à plusieurs reprises par des incendies, reconstruite ensuite. Un grand travail de restauration a été effectué en 1869. Et après ce travail de restauration, la cathédrale a retrouvé toute sa beauté et ses vitraux également. Donc, c'est une belle cathédrale gothique que l'on peut découvrir ici. Alors, c'est vrai que pour nous, Français, c'est assez commun une cathédrale gothique puisqu'on a de belles cathédrales gothiques, mais il faut savoir que c'est la seule, en tout cas, en Norvège. En bas, à droite de votre écran, vous avez une autre photo du quartier de la cathédrale de Nidaros, qui est le Gamlebybro que l'on aperçoit. C'est ce que l'on appelle le vieux pont, qui est assez caractéristique aussi de cette ville de Trondheim. C'est le premier pont qui a été construit à cet emplacement, qui permettait d'accéder à la forteresse de Christiansen sur les hauteurs donc, de Trondheim. Et du chaque côté de ce pont se trouvait la maison des octrois, où l'on payait donc un droit de passage, un poste de garde également, et de douane. Et ce pont donc, a été assez bien restauré également et fait partie aussi
des éléments intéressants à découvrir à Trondheim. Notre navigation, toujours en direction du nord, va nous mener à présent vers le cercle polaire arctique que nous allons passer ensemble. Le cercle polaire arctique, c'est vrai que c'est cette ligne imaginaire, ce parallèle donc qui entoure le globe, c'est une frontière imaginaire qui va marquer la délimitation pour entrer dans le pays du soleil dominé. Puisqu'au-delà du cercle polaire, donc, qui se situe à 66 degrés 32 minutes et 51 secondes de latitude nord, cette ligne imaginaire va indiquer la limite extrême où, au solstice d'été, le soleil va briller pendant 24 heures. C'est une ligne imaginaire qui a été définie avec précision, bien sûr, par des calculs mathématiques et astronomiques, au-delà donc duquel l'hémisphère boréal s'étend. Donc, plus on va se rapprocher du nord après le cercle polaire, et plus la durée du jour va être importante, où l'hiver, la nuit polaire, va s'allonger. Ce cercle polaire donc, est symbolisé donc, par un globe, une petite sphère que vous pouvez apercevoir ici sur l'îlot de Vikingen, donc, que l'on passe lorsque nous sommes en navigation. À quelques heures, deux heures après le passage du cercle polaire environ, nous arrivons donc vers le glacier de Svartisen. Belle escale également, ce sera le premier glacier que nous allons découvrir au cours de notre croisière. Nous sommes ici dans la région du Nordland, la région la plus longue de Norvège. Elle représente un tiers de la côte, donc c'est vraiment une bande très très étroite le long de cette côte. À certains endroits d'ailleurs, cette région n'est large que de 6 km. La région est traversée donc par le cercle polaire et elle est bordée de nombreuses îles et îlots. Environ 30% de la population norvégienne vivent dans cette région du Nordland. Dans cette région du Nordland, nous ferons deux escales. La première, le glacier de Svartisen, où nous faisons escale donc en fin de journée sur notre itinéraire. Et notre deuxième escale dans cette région sera les îles Lofoten. Pour arriver donc au glacier de Svartisen, nous allons naviguer dans un très beau fjord également, qui est le Hollandsfjord. Nous arrivons ensuite au large du glacier de Svartisen, le bateau donc Lambourg jette l'ancre et nous débarquons grâce aux chaloupes du bord pour pouvoir rejoindre le quai où là, eh bien, vous aurez tout à loisir de vous promener avec nos conférenciers et accompagnateurs. Promenade pédestre tout à fait accessible puisqu'on traverse dans un premier temps une forêt et ensuite donc un petit chemin pour pouvoir vous rapprocher donc de ce glacier. Ce glacier donc s'étend sur une superficie d'environ 370 km². C'est le deuxième glacier de Norvège et son nom de Svartisen fait allusion donc à sa couleur donc Svartisen. Et sa couleur noire, c'est vrai que là sur la photo, on ne le voit pas trop, puisqu'il y a c'était jour de grand soleil. La photo en bas à gauche, on le voit un petit peu mieux. C'est vrai que lorsqu'on s'approche du glacier, à certains endroits, certaines parties sont noires ou grises en tout cas. Et ça fait allusion aux différentes couches de roches et de poussière qui se sont accumulées sur une partie de la surface et de la glace. L'épaisseur maximale de la glace que l'on va trouver, pour vous donner un ordre d'idée, à Svartisen est d'à peu près 600 mètres. Au pied de ce glacier s'étend un vaste lac et progressivement, d'ailleurs au fil du temps, on voit le glacier qui fond et le lac qui prend de plus en plus d'importance et pour nous et nos amis conférenciers qui font ces croisières bien, depuis longtemps, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y retourne et qu'on fait des photos, on voit vraiment la différence et la part que prend le lac et le glacier qui fond vraiment très rapidement. Après cette escale, donc cette promenade à Svartisen, donc vous pourrez vraiment contempler et toucher d'un petit peu plus près aussi la nature, puisque là, on est vraiment au cœur de la nature lors de cette escale à Svartisen. Nous allons poursuivre notre navigation. Donc, j'ai placé ici une photo donc en navigation donc, vers les îles Lofoten et en route, je dirais en chemin vers les Lofoten, nous croisons aussi... par exemple, cette montagne que l'on appelle la montagne du chapeau troué, donc qui est Torgatel. C'est assez impressionnant. Elle est aussi dans la région du Nordland.
C'est une roche donc granitique qui a été formée donc lors de la glaciation. Ici, dans cette roche, on va trouver un tunnel qui s'est formé naturellement donc lors de la dernière glaciation. Un tunnel qui a une longueur de 160 mètres, une hauteur de 35 mètres et 20 mètres de large. Donc un tunnel naturel au cœur de cette montagne. Donc, au fil des années, eh bien, seul le sommet de la montagne a résisté à l'érosion et on peut encore voir donc, cette montagne que l'on appelle chapeau troué par rapport à sa forme ressemblant un petit peu à un chapeau. Alors c'est vrai qu'il y a aussi diverses légendes qu'on vous racontera au cours de sa croisière et navigation, comme un bon nombre d'ailleurs de rochers sculptés par l'érosion ou autres cascades. Les Norvégiens aiment beaucoup les légendes, donc ça fait l'objet de légendes entre autres. C'est aussi pour vous montrer notre navigation qui est vraiment très intéressante entre chaque escale. Vous le voyez, donc navigation donc entre la côte et les îles ou au cœur des fjords. Ici, donc une photo pour vous montrer d'un petit peu plus près ce dont nous venons de parler. Donc, nous étions voilà quelques minutes au glacier de Svartisholm. Vous apercevez très bien la ligne imaginaire du cercle polaire arctique. Et notre navigation va nous mener au-delà maintenant, puisque nous allons aller vers l'archipel des îles Lofoten. En passant d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite photo du Hambourg à côté, donc croisant quelques animaux au fil de notre navigation. Il n'est pas rare de croiser quelques baleines. Alors bien sûr, on n'a pas rendez-vous avec les baleines, c'est vraiment le hasard, mais il arrive que l'on en croise au cours de notre navigation. Parlons à présent donc de ces îles Lofoten, puisque en introduction, en vous présentant la Norvège, je disais que c'était un pays avec de nombreuses îles et îlots. Donc, l'archipel des Lofoten fait partie des îles que l'on va trouver, des regroupements d'îles, tout comme un peu plus au nord, l'archipel des Vesterålen. Les îles Lofoten donc, sont un regroupement d'îles situées donc, au-delà du cercle polaire, à l'ouest entre les latitudes de 67 et 68 degrés nord. Ces îles donc, s'étendent sur 190 km le long de la côte norvégienne. Entre les îles et le continent va s'étendre le Vestfjord. Les îles Lofoten, donc Lofoten, ça signifiait donc à l'époque viking « patte de lynx », c'est l'étymologie donc est celle-ci. Les îles Lofoten, en fait, c'est un groupement de 80 îles, donc bien sûr, on ne va pas parler de chaque île ni les visiter. Il y a des îles principales telles que Osvegoy, Jimsøy, Vestvegoy, Flakkskøtøy, Vøyrøy, Rost également. Sur ces îles résident environ 25 000 habitants. L'archipel des Lofoten, comme vous pouvez le voir ici, s'étend réellement tel un mur de montagne dans la mer. Les Lofoten forment vraiment un ensemble de montagnes qui culmine entre 900 et 1200 mètres d'altitude. Ce sont des paysages très divers que l'on va voir aux Lofoten, aussi bien des sommets enneigés, des rochers, des baies abritées, de très belles plages également, des terres agricoles. On va vraiment avoir un contraste au niveau des paysages que l'on va découvrir aux îles Lofoten. Sur notre croisière des fjords de Norvège, nous restons la journée entière aux Lofoten, ce qui bien sûr vous donnera toujours l'impression de ne rester pas assez longtemps. On aimerait rester 2-3 jours, mais c'est déjà une journée entière pour vous permettre de découvrir une partie de l'archipel et en excursion de partir, pourquoi pas en excursion de journée pour descendre un petit peu plus découvrir cet archipel vers le sud, puisqu'on descend jusqu'au village de Haut et également Rennes lorsque l'on fait l'excursion de journée, ce qui vous donne un aperçu un peu plus complet de l'archipel. Ici, donc, je vous ai placé quelques paysages pour vous donner un petit peu des exemples des Lofoten. On parlait de pics déchiquetés, de villages de pêcheurs, vous en avez des exemples ici. On va trouver ces constructions que l'on appelle des rorbus. Donc, très caractéristiques de l'architecture norvégienne, ce sont des maisons de pêcheurs qui ont été construites à cet endroit, des maisons qui sont construites sur pilotis, la plupart du temps constituées de deux pièces, une pièce pour l'habitation, une pièce pour le rangement du matériel, puisqu'il faut savoir que depuis très longtemps, au fil de l'histoire, les Lofoten ont toujours été un centre très important pour la pêche à la morue en particulier,
puisque d'ici on exportait la morue dans le monde entier. Vous croiserez forcément lors de votre escale au Lofoten des morues en train de sécher hein, sur ce que l'on appelle des clés. Hein, ce sont ces séchoirs à poissons en forme triangulaire que vous pouvez apercevoir ici sur les photos. Donc on va pêcher la morue, l'aigle fin également, qui font partie des activités économiques des Lofoten. On parle aussi aux Lofoten de la civilisation viking. Vos conférenciers, bien sûr, illustreront tout ça par leurs propos. C'est vers l'an 1000 où les Vikings se sont installés ici aux Lofoten, ont été à l'origine de l'essor de l'archipel, et on a trouvé sur l'archipel des Lofoten de nombreux sièges de chefs vikings et dans toute la région. Au fil des siècles également, cet archipel a été le repère de plaisanciers, d'alpinistes, par le relief que vous pouvez découvrir ici, de naturalistes, des artistes, des écrivains également, puisque beaucoup d'écrivains ont évoqué les îles Lofoten, notamment les contes d'Edgar Allan Poe. On se souvient donc du fameux Maelstrom, qui est le courant marin que l'on va trouver au Lofoten. Jules Verne parle des Lofoten dans Un milieu sous les mers, Rimbaud dans Le bateau ivre. Donc, c'est un endroit qui a beaucoup inspiré les artistes et les peintres également. On va trouver aussi sur les îles Lofoten beaucoup d'oiseaux qui vont nicher sur les Lofoten, sur des îlots inhabités également, des macareux, des guillemots, des moitridactyles, des goélands, des pétrels. En tout cas, un archipel fait de contrastes, puisque je vous le disais, on trouve aussi des terres agricoles sur cet archipel des Lofoten. Nous allons donc poursuivre notre navigation, puisque cette côte, je vous le disais, est très étendue, et nous allons continuer vers le nord, et nous allons nous diriger à présent vers la région du Finnmark, qui est la région la plus septentrionale de la Norvège continentale. Nous allons faire escale donc en soirée à Honningsvåg, donc au Finnmark. Cette région du Finnmark est aussi une des régions les plus vastes. Elle fait 50 000 km², l'équivalent à peu près du territoire suisse. Elle couvre 15% de la superficie norvégienne. Par contre, c'est la région la moins peuplée. Vous allez comprendre de suite pourquoi, puisque le climat est plus hostile. Nous sommes vraiment tout au nord de la Norvège continentale. Les paysages, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, qui représentent les côtes de l'île de Magueroy, où se trouve le port d'Honningsvåg, ce sont des côtes, des terres qui sont essentiellement minérales. On va trouver des lichens, de la bruyère uniquement, même si pourtant il ne fait pas très très froid par ces latitudes. La présence du Gulf Stream empêche les ports de cette région d'être obstrués par la banquise au cours de l'hiver, mais c'est vrai que les températures sont quand même assez fraîches. Sur cette île de Magueroy et dans cette région du Finnmark, vont cohabiter trois ethnies, les Norvégiens, les Lapons et les Finnois. Depuis nos Honningsvåg, nous allons atteindre le point mythique qu'est le Cap Nord, donc que nous découvrons en excursion. Donc, c'est le point mythique de toutes ces croisières, bien sûr, vers les fjords de Norvège et le Cap Nord. Nous allons en autocar traverser une partie de cette île de Magueroy, donc à peu près 45 minutes de route. Au milieu de cette route désertique, la route est très impressionnante. Et nous arrivons donc à l'extrémité de celle-ci, vers ce rocher qui a de tous les temps retenu l'attention de l'homme, hein, depuis que l'homme longe les côtes du Finnmark. C'est ce rocher du Cap Nord, comme vous pouvez l'apercevoir en bas, donc à droite de cette photo. Ce rocher donc, qui se situe, ce plateau du Cap Nord se situe à 71 degrés 10 minutes et 21 secondes de latitude nord. Donc, c'est une falaise abrupte à 307 mètres d'altitude qui plonge vraiment à pic dans l'océan glacial arctique. Alors, c'est vrai que lorsque l'on est sur ce plateau, on se sent un petit peu sur le toit du monde et au bout du monde, puisqu'en face de nous, c'est l'immensité. Donc, c'est vrai que c'est une impression très particulière, et même si on y va plusieurs fois, on a toujours la même impression. Les conditions atmosphériques, elles sont variables. On peut être au Cap Nord jour de grand soleil, comme ces photos. On peut être au Cap Nord jour de brouillard et n'y voir absolument rien. C'est aussi le charme du Nord. On peut être au Cap Nord jour de grand vent. Enfin, là encore, c'est vraiment la météo qui décide un petit peu de ce que l'on va voir. Lorsque nous sommes ici au Cap Nord, nous sommes à 1300 milles nautiques du pôle Nord.
c'est-à-dire à 2400 kilomètres. Donc, nous allons en autocar jusqu'au Cap Nord. On espère ici voir se coucher le soleil de minuit. Ensuite, nous revenons vers Honisvåg. Sur notre route, il n'est pas rare, comme vous pouvez le voir ici, que l'on croise quelques rennes, hein, puisque les rennes viennent paître ici l'été, donc sur cette île de Magueroy. Donc ici, sur l'île, on trouve à peu près 6 familles de Samis, qui sont donc ce que l'on appelle aussi plus communément les lapons, dont on parlera bien sûr lors de ces croisières, qui viennent faire paître leur troupeau de rennes ici et qui passent le reste de l'année dans la région de Karasjok, qui se trouve à peu près à 300 km d'ici. Lorsque nous sommes en escale à Honisvåg, donc il y a l'excursion au Cap Nord qui est proposée, et depuis quelques années, on propose aussi une autre excursion, et je dirais même une aventure, c'est la pêche au crabe royal. Vous apercevez ici ce monsieur brandissant le king crab, ce crabe royal. Donc, ça fait partie aussi des attractions que l'on peut proposer lors de la croisière. On vous propose de partir à bord de Zodiac, donc équipé bien sûr par les Norvégiens. Vous partez avec les pêcheurs pour relever les casiers. À l'intérieur de ces casiers se trouvent ces crabes, donc ces crabes géants, hein, ce king crab. Et donc ensuite, vous allez chercher, vous rentrez donc avec les pêcheurs et les casiers. Et c'est l'occasion, donc dans un lava, une habitation donc d'origine Sami, de déguster ce king crab, donc ce crabe royal dont la chair est particulièrement goûteuse. Donc, bon, je ne l'ai jamais testé pour tout vous dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de cette expérience par nos accompagnateurs et par nos passagers qui en profitent. Nous allons donc continuer et redescendre un tout petit peu donc vers Tromsø. Tromsø qui est la porte de l'océan glacial arctique, comme on la surnomme souvent. Et c'est à Tromsø que s'achève le 6 juin la croisière donc des fjords. Donc, la ville de Tromsø est la ville, une grande ville septentrionale aussi. C'est une grande ville universitaire aussi en Norvège, la plus au nord. Elle est à 69 degrés 40 minutes de latitude nord. Une ville qui est construite et habitée depuis 4500 ans, au milieu d'un chenal. Sur ces photos, vous voyez vraiment la construction de la ville. Donc, sur l'île de Tromsø, débordant sur l'île voisine, Valøya, où se trouve d'ailleurs l'aéroport de Tromsø, et les deux sont reliés donc par ce gigantesque pont. Donc l'arrivée là aussi à Tromsø est tout à fait passionnante. La ville est un centre économique important, point de départ aussi de nombreuses expéditions de trappeurs vers la banquise, le Spitsberg, le Groenland, Terre-Neuve. Également des monuments intéressants donc que vous apercevrez donc en quittant Tromsø. Et notamment la cathédrale arctique que vous avez sur la photo de droite, qui est caractéristique de par sa construction, qui est l'œuvre architecturale de Jan Inge Ovig. Elle a été construite en 1964 et symbolise, donc par sa construction, son architecture de forme triangulaire, la nature que l'on peut trouver en Norvège. Et elle évoque, dit-on aussi, la forme des séchoirs à poissons, dont on parlait tout à l'heure aux îles Lofoten, en forme triangulaire, les clés sur lesquelles on fait sécher les morues. Donc ici s'achève la croisière des fjords, mais nous poursuivons avec la croisière du Grand Nord, l'univers du Svalbard. Donc les passagers qui embarquent pour la croisière du Svalbard partent de Paris et embarquent donc directement à Tromsø pour cette aventure vers l'archipel du Spitsberg pour redescendre ensuite vers les fjords et terminer la croisière à Kiel. Donc, nous allons parler ensemble des escales du Spitsberg et de cet archipel du Svalbard. Ici, donc, vous avez la carte pour vous montrer un petit peu l'itinéraire et plus en détail, ici, la carte du Spitsberg. Donc, le Spitsberg est situé à 640 km au nord de la Norvège continentale. Les îles émergent entre 76 et 80 degrés de latitude nord. La superficie du Svalbard donc, est de 63 000 km². Donc, le Svalbard désigne tout l'archipel qui est représenté sur la carte et le Spitsberg est une des îles de cet archipel. Le Spitsberg donc, est l'île que vous pouvez voir ici sur la carte, fait 30 km². Nos escales donc, au Spitsberg vont être les suivantes. Donc, Longyearbyen, Nyhamnessund, une très belle navigation dans le Tempelfjord et navigation vers la baie de la Madeleine. Alors, le Svalbard a été donc,
découvert a été mentionné pour la première fois donc, par William Barents, qui a découvert l'île de l'ours, Björknøya, et 9 jours plus tard le Spitzberg, donc en 1596. Pour vous montrer donc, l'île de l'ours, elle se situe donc à quelques heures de navigation après la Norvège continentale. Elle se situe à 64 degrés de latitude nord. Elle a été nommée ainsi donc, puisque le 12 juin 1596, William Barents a aperçu le premier ours blanc à cet endroit. Donc, c'est une île que l'on aperçoit, nous naviguons au large de Björknøya, qui est au sud de cette photo ici, lorsque nous montons vers le Spitzberg. Björknøya fait environ 178 km carrés. Donc, voici un petit peu donc, la première terre que l'on va voir lorsqu'on va naviguer en Arctique pour poursuivre ensuite notre navigation vers le Spitzberg. Ces îles donc, du Spitzberg qui émergent, il faut savoir que sur le territoire du Svalbard, 60% est recouvert de glace. D'où vient le mot Spitzberg? C'est l'étymologie du mot, en fait, Spitz signifie pointu, donc Spitzberg, ce sont les montagnes pointues. La densité donc, de population ici est très très faible au Spitzberg, elle est de 0,05 habitants au kilomètre carré. On recense à peu près sur l'archipel 3000 habitants qui sont constitués donc, pour la moitié de Norvégiens, de Russes également et de quelques Polonais. Ici, donc, sur cet archipel et au Svalbard en particulier, la période du soleil de minuit donc, va être beaucoup plus longue puisqu'on est vraiment très au-delà du cercle polaire. La période du soleil de minuit va s'étendre du 19 avril au 23 août environ. Par contre, la nuit polaire va être très longue aussi. Elle s'étend, règle générale, du 10 novembre au 2 février. Là aussi, on va profiter de l'affluence du Gulf Stream, donc avec un climat qui est doux, on va dire, pour ces latitudes. La température moyenne que l'on peut trouver l'été, par exemple, au mois de juillet à Longyearbyen, va être dans les 5 et 6 degrés, ce qui n'est pas si froid pour ces latitudes, en fait, puisque là encore, le Gulf Stream va vraiment adoucir le climat. Sur la carte ici, j'en profite pour vous montrer un petit peu notre navigation et nos escales. On va en parler plus en détail. Donc, après avoir navigué au large de Björknøya, nous allons continuer notre navigation sur la côte ouest du Spitzberg pour atteindre la première escale donc, qui sera Longyearbyen. Donc, nous allons rentrer dans l'Isfjord que vous apercevez ici pour atteindre Longyearbyen, qui est une ancienne cité minière. Ensuite, nous allons poursuivre notre navigation pour aller donc vers Nialesund, qui est un peu plus au nord. Nous passons ici l'île de Prince Charles Falkland pour arriver à Nialesund, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Et après, nous allons continuer vers la baie de la Madeleine. Donc, plus en détail, ces escales à présent. Ici, donc, quelques vues de Longyearbyen, donc, qui sera notre première escale au Spitzberg. Nous sommes ici donc, à 78 degrés de latitude nord. Ici, donc, nos escales au Spitzberg sont des escales libres où nos conférenciers et accompagnateurs vous accompagnent donc, à travers des promenades pédestres sur différents sites. Longyearbyen donc, est situé sur la rive est de l'Isfjord, comme vous avez pu le voir sur la carte, c'est une ancienne ville minière. Donc, on va trouver, ben, vous le voyez, les paysages ici d'une ancienne ville minière. L'extraction de charbon a été pendant très longtemps l'activité principale des différentes communautés établies donc, au Spitzberg. Et la première exploitation d'ailleurs des mines ici date de 1889. Elle a été ensuite suivie par de nombreuses tentatives d'implantation. Donc, ici à Longyearbyen, on va trouver des mines. À Nialesund également, les mines ont été. Il y avait 7 mines à Longyearbyen. Donc, ce qui explique aussi les paysages que vous allez trouver lors de votre promenade. Ce qui est aussi intéressant de noter dans ce gros village, on va dire, puisque Longyearbyen est le plus gros village norvégien que l'on va trouver au Svalbard, une population assez jeune, une population qui est constituée d'à peu près 1400 habitants. On va trouver également un aéroport, l'aéroport donc du Spitzberg se trouve à Longyearbyen. On trouve une route, la plupart du temps, la plupart de l'année, on va se déplacer en motoneige dans cette région.
Et vous pouvez le voir peut-être sur cette photo, la photo en bas à droite, qui interpelle souvent dans cette ville, c'est que toutes les conduites sont en surface, au-delà du sol, donc puisque le sol, une partie de l'année, va être gelé. Donc, toutes les conduites d'eau, les égouts, l'électricité, on va voir tous ces tuyaux donc apparents en raison du permafrost qui va geler le sol une partie de l'hiver. Après cette escale libre à Longyearbyen, nous allons avoir une très belle navigation, là encore, touristique, une navigation commentée dans la région du Tempelfjord. Donc, vous avez ici une photo de la proue du Hambourg qui s'avance vers le Tempelfjord. Le Tempelfjord, c'est une de ces montagnes assez spectaculaires que l'on va trouver au Svalbard, une montagne de forme tabulaire, avec des falaises assez déchiquetées qui tombent à pic à peu près à 100 mètres. Ça nous rappelle un petit peu la forme gigantesque d'un temple, d'un fjord. C'est un fjord qui s'étend sur environ donc 6 km. Sur ce fjord vont nicher des colonies d'oiseaux, notamment des colonies de pétrels. Donc, ça fait partie, je dirais, des paysages merveilleux que l'on découvre lorsque nous sommes au Spitsberg. Merveille aussi de l'érosion, puisqu'au fil des années, toutes ces montagnes ont été sculptées, érodées par la pluie, par le vent. Et la neige. Nous poursuivons pour arriver à Nyalesund, donc notre escale la plus septentrionale au Spitsberg. Nous sommes à 79 degrés de latitude nord, donc Nyalesund a été aussi une cité minière, puis ensuite a été une cité scientifique. Donc là aussi, à Nyalesund, bien les vestiges permettent de comprendre le passé de cette ville. Donc ici est encore installée maintenant d'ailleurs à Nyalesund une cité scientifique. L'été vivent à peu près 100 personnes, l'hiver une douzaine de personnes à Nyalesund. C'est ici que se trouve d'ailleurs le bureau de poste, pour le petit clin d'œil, je vous ai mis la photo du bureau de poste le plus au nord de la Norvège. Et on parle aussi de Nyalesund faisant référence à Amundsen, d'où son buste ici, puisqu'à un kilomètre à peu près à l'est du village se détache le mât d'arrimage du ballon de Nobilé, donc entouré de plusieurs mémoriaux du cimetière également des mineurs. C'est du mât d'amarrage de Nyalesund en particulier que sont partis donc pour leur expédition polaire, les aéronefs Norge et l'Italia, donc les expéditions d'Amundsen en 1926 et Nobilé en 1928. Et donc, pour commémorer ces expéditions, vous avez donc la plaque que l'on peut voir ici et le buste d'Amundsen qui est donc à Nyalesund. Après Nyalesund, nous allons poursuivre et par une très belle navigation là encore, nous allons aller vers la baie de la Madeleine. En baie de la Madeleine, nous sommes à 69 degrés et 30 minutes de latitude nord, à la pointe nord-ouest du Spitsberg. S'ouvre ici donc la très belle baie de la Madeleine, donc un des plus beaux spectacles du Spitsberg. Certainement le plus sauvage, puisque le bateau ici, le Hambourg, jette l'ancre au cœur vraiment d'un cirque de rochers et de glace. C'est un bras de mer, cette baie de la Madeleine, qui s'enfonce à l'intérieur des terres sur une longueur d'à peu près 10 km. Et à cet endroit se déversent 4 glaciers. Comme vous pouvez le voir ici, au sud, le Gullibrin et le Brockebrin, à l'est, le Mittebrin. Et en toile de fond, donc vous le voyez sur la photo qui est un petit peu dans le brouillard où il y a le Hambourg et derrière un glacier, va se trouver le Wagonboebrin. Donc là, sur un fond bleuté, quelquefois tourmenté, vous pouvez apercevoir ces glaciers. Donc, le premier nom de cette baie a été la baie des Dents, en raison des très grandes colonies de morses qui étaient présentes sur ses rives. À partir du XVIIe siècle, l'arrivée des baleiniers, comme sur toute la côte ouest du Spitsberg, ils sont venus ensevelir ici leurs morts. Et donc, faisant référence à ces baleines, donc, ils ont baptisé cette baie, donc baie de la Madeleine, puisque Sainte Madeleine est la patronne des baleiniers. Donc ici, en fonction des conditions météorologiques, bien sûr, ça c'est valable sur toute la partie Spitsberg et notre navigation, nous proposons un débarquement à bord des Zodiacs pour pouvoir approcher un petit peu plus près ces superbes paysages teintés d'un camaïeu de bleu et de blanc pour pouvoir vraiment profiter de ces glaciers. Donc ça c'est la partie la plus au nord du Spitsberg. Et ensuite, donc, nous redescendons. Donc, même navigation, en passant de nouveau donc, vers Björnøya, l'île de l'ours,
pour atteindre les fjords, donc de nouveau avec escale à Honisvog, le Cap Nord, les îles Lofoten, Bergen, Kristiansand, Copenhague et fin de la croisière à Kiel. Quelques mots ici pour vous parler aussi un petit peu de la faune que vous allez trouver dans ces contrées assez exceptionnelles. Alors bien sûr, on n'a pas rendez-vous avec tous ces animaux, comme vous pouvez le savoir, mais c'est vrai, il nous arrive très fréquemment bon, de croiser des rennes, ça c'est à chaque fois. Et lorsque nous sommes hospitalières, eh bien, de voir des phoques, des morses également, des sternes, puisqu'elles nichent un petit peu partout, hein, des mouettes tridactyles. Donc au fil de la navigation, c'est vrai qu'il est tout à fait possible de voir toute cette faune que l'on peut trouver. Et d'ailleurs, à bord, comme je le disais en introduction, vous avez l'une de nos conférencières qui est spécialisée donc, sur la faune et la flore que l'on va trouver au Svalbard. Je terminerai donc en répondant à des questions qui se posent très fréquemment, donc peut-être vous voulez poser également. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, est-ce que c'est difficile ces croisières, les fjords ou le Spitzberg? Je dirais que c'est accessible à toute personne capable de se déplacer et de marcher. Qu'on soit à quai, en chaloupe ou en zodiac, l'équipage du Hambourg est très attentionné, l'équipe de croisière est là aussi pour vous aider, donc il est possible à tout un chacun pouvant se déplacer d'accéder à ces croisières. Il n'y a vraiment pas de grandes difficultés, on ne fait pas de randonnée, on ne marche pas dans la glace ni dans la neige, donc c'est vraiment facile pour tous. On le disait il y a quelques minutes et je vais me permettre de le répéter. Là, au Spitzberg, c'est vrai que la navigation reste très délicate par ses latitudes et les maîtres à bord vont être les conditions météorologiques, l'état des glaces aussi, puisque les plaques de glace peuvent se déplacer hein, en fonction du vent et des courants. Donc, je dirais l'itinéraire tel qu'il est sur le papier est là, mais il arrive aussi de pouvoir inverser l'ordre au fil de notre navigation, c'est ce qui fait l'aventure du Spitzberg et c'est ce qui fait aussi que chaque voyage est différent. Comme je vous le disais, pour l'avoir fait pendant de nombreuses années, il n'y a pas deux croisières similaires au Spitzberg. Cédric pourrait le dire aussi, le commandant Romé également. C'est vraiment la météo qui va faire une grande partie de notre itinéraire. Les températures donc à cette période de l'année donc sur les fjords donc, vont être entre 7 et 18 degrés à peu près. Un climat humide, il faut bien le dire, avec possibilité de pluie et de brouillard. Au Spitzberg, les températures peuvent descendre entre 2 et 3 degrés. Il fait rarement en dessous de 0 degrés à cette période. Donc, on vous recommande de vous vêtir chaudement et toujours en plusieurs épaisseurs, comme je dis, en pelure d'oignon, puisque c'est vrai qu'il n'est pas rare que l'on part, par exemple, au Lofoten, sous le soleil, 20 minutes après avoir de la pluie, une heure après avoir du vent. Donc, le climat change très, très vite hein, lorsque l'on est par ces latitudes. Donc, il y a des vêtements toujours confortables et imperméables. Concernant les formalités administratives, hein, nous sommes dans l'espace Schengen. Donc, pour la croisière des fjords, c'est la carte d'identité valide et non prolongée qui est demandée. Et pour le Svalbard, c'est le passeport. Voilà, mesdames, messieurs, un petit peu donc un avant-goût, je dirais, de nos croisières que l'on propose chaque année sur les fjords de Norvège et le Svalbard. Donc, j'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs pour certains. Pour d'autres, ça vous aura peut-être donné idée de découvrir ou de redécouvrir, puisque je me souviens notamment de passagers il n'y a pas très longtemps qui me disaient « Oh, Magali, c'était si beau !» qu'on aimerait y retourner. On est déjà allé il y a 15 ans, mais on y retourne, c'est pas grave. Donc, peut-être ça aura donné l'idée à l'un d'entre vous d'y retourner. Vous retrouverez bien sûr tous ces détails sur notre site internet, bien sûr. Et en attendant, eh bien, demain, Cédric vous donne rendez-vous pour la visioconférence sur les jardins et châteaux du Kent et du Sussex. Donc, à 10h30, donc même heure, même endroit, je dirais, demain avec Cédric. Merci en tout cas de votre attention à toutes et à tous. On va rétablir les micros si certains d'entre vous ont des questions. Donc, ça sera le moment pour pouvoir échanger si vous le souhaitez.